Tes combines avec ce mec. Vos chantages à la con sur les rombières. Il y en a marre. L'autre jour, il y a une Américaine qui était salement remontée contre vous. Et qui voulait porter plainte. C'est pas la reconnaissance qui l'étouffe, celle-là. Hein. J'ai arrangé le coup. Mais j'y gagne quoi, moi? Tu sais que j'ai toujours sous le coude ce trafic de scooters volés qui finissent en Bulgarie. Ça te rappelle quelque chose? Si ça me prend un de ces jours, je vais balancer ton nom dans mes comptes rendus. Mais merde, on a dealé là-dessus. Je vais ramener de l'info et vous classiez le truc. Justement. Faut nous ramener du concret. Capito? Vous me laissez 48 heures et je vous en ramène assez pour faire la une des journaux. Sur quoi? Les tueurs des putes. Sérieux? 48 heures, Alex. C'est toi qui fais tout ce refus? Maëva est là? Je sais pas. Je peux passer un coup de fil? Oui. J'ai pas rêvé, elle est là. Des fois, elle aime pas qu'on la dérange. Quand elle est avec quelqu'un. Elle reçoit jamais ses clients ici. Ses clients peut-être, mais son ami souvent. Quel ami? Son régulier, son mec. Eh oui, ma petite. On ne connaît pas tous des gens. Elle a un mec. Elle m'a rien dit. Vous pourrez lui donner ça quand vous la verrez. Il ressemble à quoi, son mec? Jamais vu pour de vrai. Toujours par le Judas de la porte. Toujours dans la pénombre. Il allume jamais quand il vient. Et il porte une casquette ou un chapeau. Maëva? Ça lui ferait du bien de se coucher. Dit Maëva. Tu sors d'ici les minuit 10. À minuit 20, Madame Vincent veut descendre sa poubelle et tombe sur le palier en train de pleurer. Il n'y a pas eu d'effraction. On penche pour un familier à qui Raymond Macater a ouvert en toute confiance.
Je comprends que tu sois choqué. Pas joli à voir. Et pas joli à faire. Ce qui m'emmerde, Beau, c'est... tout ce sang sur toi. J'ai voulu la relever. Je croyais que... Je ne prends pas pour des débiles. Moi, je dis que t'as sonné. Eva t'a ouvert. Vous êtes disputé. Et tu l'as éventré proprement. Pourquoi j'aurais fait un truc pareil? C'était mon ami. Elle savait quelque chose sur le type qui tue les filles. Elle a vu Marlène partir avec son dernier client. À Borgne. Pourquoi pas Jacques l'éventreur? Il est sorti d'ici quand je suis arrivé. À Borgne, ça vous dit rien? C'est pas lui que Maëva voyait régulièrement? Comme ça, madame, vous auriez repéré quelqu'un? Je vous écoute. Mais dites-lui que vous avez vu le mec de Maëva par Judas. Et vous pourriez reconnaître ce visiteur? Je sais pas. Non. Je crois pas. Attention, pardon. Madame s'y connaissait en douceur. On a éventré Macaté avec son propre couteau de cuisine. Puis on lui a arraché la langue. Comme à Marlène? Comment tu sais ça, toi? Après, ça a rien dit là-dessus. J'étais là. Quand vous en avez parlé avec Prézuski. C'est ça qui t'a inspiré? Tu nous joues les imitateurs. C'est débile. Pour l'instant, je peux rien contre toi. Mais on va approfondir. Tu quittes pas Bruxelles et tu appliques dès qu'on te le demande. Si quelque chose vous revient, vous m'appelez. Moi et personne d'autre. Vous croyez quand même pas Ancelin capable de ce genre de truc? Avec cette ordure, tout est possible. Beau est très intelligente. C'est de l'intuition ou vous lui en voulez? On s'inquiète tous pour Prézuski. Vous êtes passé de loi? Pas encore. Ça donne quoi l'appel à témoin? Rien. Ni témoin ni indice. Le crime parfait. Sauf que... enfin, on avait rendez-vous hier matin avec Prézuski. Il voulait me parler d'un truc pas net qui avait dégoté. Il voulait qu'on se mette ensemble sur ce coup. Quel truc pas net? Aucune idée. Maintenant. On en a besoin toutes les deux. C'est son homme qui a fait ça. Vous pourriez le reconnaître? Sans l'ombre d'un doute. Tu dormais pas? J'ai pas dormi. Moi non plus. Il faut que je retourne chez Maëva. Pourquoi faire? Comprendre. J'attends rien de la police. Je suis sûr que Maëva vous laissait ses clés pour ses plantes quand elle était absente. Prêtez-les-moi. Je sais pas si on peut.